hostage. Take the sick mind for hostage. Pâtissier chocolatier depuis plus de 30 ans, j'ai 48 ans, je baigne dans l'artisanat depuis même ma tendre enfance. Ce métier m'a apporté pas mal de choses, et notamment des réalisations de pièces artistiques, et surtout en sucre et en chocolat. Et le chocolat, ça nous a amené tout naturellement à réaliser cette pièce, donc qui est Notre-Dame. La grosse difficulté pour cette pièce, c'était le temps record, puisque on n'avait que 2 mois, alors que c'est une pièce qui nécessiterait, avec du recul, à peu près 6 mois de travail. Donc les grosses difficultés ont été de trouver déjà le personnel compétent pour suivre, parce qu'il faut être chocolatier, mais quelque part il faut être aussi artiste, il faut connaître toutes les contraintes artistiques imposées par la matière, en fait, par le chocolat. Et c'est là où tout le travail de l'artisanat a été important, puisque il n'y avait aucune cote n'existait, rien n'existait, il n'y avait aucune référence non plus dans ce domaine. La fragilité avait plus sur le déplacement, le transport, puisque ça casse. Et puis il ne faut pas croire qu'il n'y a pas non plus de restauration à faire. Hein. Ne serait-ce qu'au montage, il y a déjà des restaurations. Dès qu'il y a un transport, bon, il y a forcément un petit souci de patinage, enfin d'un éclairage qu'on n'avait pas vu avant, donc il y a blanchi le chocolat, bon, bah, il faut refaire. Mais bon, ça évolue, hein. Ça évolue beaucoup même. Thank you.
I need you.